Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que ça va toujours, hein, ça va bien. J'espère que ça va pour vous, parce que le pauvre moi, il a transpiré tout à l'heure avec le grand méchant boss. Par contre, je sais plus où est cachée ma moto. Là, vous allez me dire, Bouddhi, t'as encore déconné, mais non, ta moto, elle est passée où? Elle était trop bien. Bah, pour être franc, je sais pas si j'arriverai à la retrouver. En tout cas, je sais approximativement où elle se trouve, mais ceci dit, je suis pas dans la merde pour la retrouver. Si tu veux, je peux te faire un petit chant de guitare. Tralalalalala, dans ta gueule. Oh putain de guitare, je l'ai cassé. Désolé, hein. Je pète un petit peu. Ah là voilà ma moto. Ce qui est bien sur ce jeu, c'est que les choses ne disparaissent pas forcément. Ok, on va passer là-bas. Allez Bouddhi, Bouddhi. Ouais, t'as fait une roue. Magnifique. C'est où que je dois me positionner maintenant? En ligne droite. On va découper la plupart des zombies encore. Putain la vache. J'ai fait un accident. Mais pas n'importe lequel, hein. Ah, celui-là, franchement, pour me relever, bon appétit, hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la moto ne se détruit plus. Mais par contre, tu fais que de voler, hein. Bon, s'il vous plaît, la moto, s'il vous plaît, elle m'appartient. Eh, eh, les zombies, je sais que vous l'aimez bien, cette moto. Regardez, elle va même vous découper encore. Mais non, mais non, mais non, mais petit, mais petit, mais petit. Oh oh, c'est vers là-bas. Je suis sûr et certain, ouais, c'est ça. Alors les amis, regardez-moi ça. Attention, je vais un peu trop vite là. Je me suis un peu enflammé. Nickel, ça c'est bon. Je dépouille tout ce que je trouve sur mon chemin. Oh là là, j'ai allumé le feu d'artifice par erreur. C'est n'importe quoi. Putain, hey, tellement que les mécaniques sont solides sur ce jeu-là. Elles se détruisent même plus. Donc c'est juste à côté, hein. Donc faudrait que je me méfie de prendre le bon virage au bon moment. Ah, parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a rien, mais justement, si. Il va encore m'envoyer au cimetière, je pense. Ah, l'une des meilleures motos, c'est celle-là, hein. Attention, attention, les barrières, je vois que ça me gêne. On est juste arrivé à proximité. Nickel, et là, c'est juste là. Oh, ils sont fâchés, hein. Ils m'aiment pas, ils m'aiment pas. On descend, donc on a bien sûr repéré où se trouve la fameuse zone. Ah merde, par contre, j'ai pas d'armes pour les combattre. Ça, c'est un peu moche, ça. Ouais, je sais quoi, je prends la lame. En fait, faut vraiment que je commence à me refaire des armes, parce que ça va plus du tout. Tu sais, je commence à trop prendre confiance tellement que je suis limite invincible pour moi, là, dans ma tête, que je fais plus forcément attention à tous ces petits phénomènes. Ah ouais, là, ça blague pas, hein. Voilà, une petite chevalière. Attention, c'est bon, je l'ai coupé. Non. À mon avis, là, il y aura un gros méchant monstre là, qui va m'attendre dans le couloir. Il n'y a pas une arme là, quelque chose à récupérer. Même si je peux pas faire quelque chose avec ça, moi. Un Oscar, un Oscar. Ouais. Mais ça me sert plus à rien tout ça. Il est où lui? Il y a un enfoiré qui se fout de ma gueule là. Il fait la poule. Il y a un petit con qui se fout vraiment de ma gueule. Il fait la poule. C'est quoi ça? Je pensais que c'était une amélioration encore pour une arme ou quoi que ce soit, mais non. Ok, où est-ce qu'il se cache? Oh là, ils sont trop nombreux là-dedans. Vas-y, tout seul, hein. Eh, mais attends, j'ai plus mon nounours. Non, je l'ai pas. Ah, si, je l'ai. Non! Ah, si. Voilà, mon nounours va vous fumer. Ah, mais le temps que tu l'installes, c'est relou. Ah, dommage. Ah non, Snake,
Bon, tant pis, hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être une arme quelque part à récupérer. Mon pauvre nounours, ils vont le tuer. Mais comment tu fais pour le mettre à l'endroit, ce nounours pourri? Vas-y, mets-le! Mets-le à l'endroit! Ah, là oui! Il va tous les sécher! Voilà, je ramasse maintenant le tonfa et je vais m'occuper du petit mec au fond. Oh non, il va prendre la fuite. Je graverai ça sur ta tombe. Ou peut-être bien sur ta gueule. Attention, faut que je le tue. Oh la crampe qui m'a mis. Tu vois, regarde ce que je vais te faire. Je vais te faire la même chose qu'aux zombies. Oh purée, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'arrive pas à le courser. Sans arme, je peux rien faire. Je peux rien faire. Putain, elles sont où les armes? Non, oh dommage. Bon bah les amis, hein, pas le choix après que d'aller chercher des armes, parce que regardez comment on court comme deux cons là. Je suis un salaud, je l'ai carrément tué. Je suis pas un gamin, sérieux. Bon, ma moto était où? Elle était garée quelque part ici, sur un côté. Ma moto. Voilà, on n'aura plus qu'une chevalière. Pourquoi j'ai du sang comme ça là, j'ai rien fait? Et merde, ma moto, elle est où ma moto? Mais non, mais c'est pas ça ma moto, ça va pas? Hé, hey, il est fou, il veut me donner ça en tant que moto. C'est pas ça ma moto, je voulais une vraie moto. Voilà, voilà. Voilà. Ah, c'est plutôt pas mal là. Waouh, 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 waouh. Ça secoue, hein. Attention. Ah, ça déconne, hein. Ils déconnent quand même, les mecs, hein. Moi, je sais plus où est ma moto. Ils s'en fout, tant pis. Je vais pas aller la chercher. Je me suis embrouillé moi-même dans mes conneries. Bon, bah, on va chercher la dernière chevalière en question qui est très très loin par contre. Ah, je suis dégoûté, ma moto. Dommage qu'il n'y a pas un repère pour la moto. Attends, justement, si je crois. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas une balise GPS. Ah, c'est un peu con. Pourtant, c'était juste à côté quoi. J'ai plus d'armes, j'ai rien. Je suis devenu un clochard dans le let's play numéro 3. Hein. Attention. Peut-être je sais où je peux passer. Ah, un pistolet. Pardon, je suis pressé comme gars. En fait, elle est là, la moto. Si je me souviens bien, l'objectif était juste à côté. On va pas la louper, vous allez voir. Espérons que je pourrai bien m'en sortir. En fait, je suis un idiot parce qu'elle est pas là, elle est là. Bon bref, tu sais quoi, je sais plus. Ouais, ouais. Elle est laissée par contre, hein, me faire des câlins. Tu vois, j'avais raison qu'elle était là. Au revoir les zombies. Non, vous êtes pas sérieux, je peux pas laisser une moto comme ça. Attends, elle coûte pas du cul cette moto. par contre, j'ai un problème justement. Heureusement que les trucs ils disparaissent de temps en temps, sinon... on n'aurait pas été dans la merde. Oh les pauvres zombies. On va tous les découper. Oh là 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 là. Je me suis fait bien attraper. Allez, je vais boire mon petit Coca-Cola. C'est vraiment un Coca-Cola de dingue. Hein. On va passer par là. Non mais non mais non mais non, te bloque pas, te bloque pas. Oh là là, et regardez-moi les roues arrière là. Ça blague vraiment pas. Par contre, c'est où l'objectif? Est-ce que je suis dans la bonne position? Bien évidemment que oui.
Tiens, pour une fois, on va passer par là. C'est rare qu'on passe par là, en plus. Hein. Attention, parce qu'il y a énormément de personnes ici. Justement, il y a des prisonniers là. Waouh. Oh, c'est dingue. Hein. Alors, la dernière chevalière. Ici, il faut que je me méfie, parce que je peux faire tout péter. J'ai failli te faire péter la moto. Hein. Attends, vu que je suis là, j'ai l'impression que j'ai un garage quelque part, moi, qui m'attend. Je suis pas certain de ce que je dis, mais sur la carte, j'ai un garage, là, qui est pas loin. Attends. Non, justement, il est pas là, merde. Il est quelque part, non, il était plus haut. Ah, dommage. Donc la moto est ici. Elle a disparu? Ah, elle est là. Il faut que je m'occupe des grands méchants loups, là. J'ai pas de chance, c'est que cette fois-ci, je suis tellement concentré avec cette moto, je ramasse même pas les armes. Ah, c'est sur le toit qu'ils sont. Ok. C'est peut-être par là que je dois passer. Non, c'est là-bas. Va savoir par où tu dois passer. Mais Hunter, il est chaud, regarde. Attention, ah, ils sont un peu plus coriaces ceux-là. Non, c'est pareil en fait. Sauf que c'est mon équipement qui est tellement dérisoire. Tu vas me la couper? Attention. On va voir les lieutenants. Lui il est là. Ok. Regarde, c'est qui le patron? Alors je te découpe 4-5 fois. C'est pas grave, je me relève et regarde ce que je te fais. Je te tue définitivement. Par contre, le temps que tu ramasses ces chevaliers là, tu perds du temps. Hein. Ok, donc là on va tuer le mec en question après. Il est vraiment bien protégé, ou plutôt c'est elle qui est bien protégée, parce que j'ai l'impression d'entendre une voix de femme. Voilà, on va sauter par la fenêtre. Oh putain le con. Oh l'idiot. Moi je me suis cru que j'allais tout sauter, tu vois. Bon bah on repart à la case départ là. Désolé les amis, j'ai pas fait attention sur un truc. Mais j'ai purée pas d'armes comme un idiot, je joue n'importe comment en ce moment. La moto ne m'intéresse pas. Mais c'est juste là. Par contre des fois les hangars, ce qui est bien c'est qu'ils sont fermés, hein, donc tu peux pas accéder à tout ce que tu veux. Et t'as de la chance par moment que tout est ouvert. Voilà, c'est ce que j'ai oublié. C'est bien ce qui me semblait en plus. J'ai pas ramassé sa chevalière à lui. Bon, ça me donne juste d'expérience, hein, pas plus que ça, ça donne 1000 en fait. On fait doucement, parce que je vais encore tomber. Oh là là, c'est quoi comme arme qu'elle a, elle? Oh, ça va être rapide, regardez, je vais la découper en quelques instants. J'utilise les coups les plus puissants. Hein. Là, j'utilise un peu le coup, un peu moins puissant. Et c'est fini. La petite chérie, elle est morte. C'est tristouné quand même. Elle a succombé. De toute façon, lui, s'en fout. Son objectif, c'est de tout tuer. Enfin, une arme. En fait, j'avais tous les armes avant de pouvoir me lancer dedans, mais maintenant, non. Ouais. Là, il y a quoi à faire, là? Ah, regardez qu'est-ce que j'ai en fait d'intéressant là. Une super belle arme. Une hachoire. Bon, on retourne à la case départ à mon avis. Je suis pas certain qu'on peut passer par là. Justement, non, mais bon. Voilà. Le pauvre petit loulou.
Je fais juste select histoire de voir est-ce que je suis dans la bonne position. Furet. Je suis en train de m'éloigner, mais bon, c'est quand même un bon passage ici. À condition que je fasse attention à ma route. Putain, le con. Désolé, la moto est plus belle que les objectifs secondaires. Alors là, ça sert à rien de les récupérer, hein. Je pense que vous aimerez plus me voir découper des zombies que de me voir faire tout le temps la même chose, quoi. Et récupérer des motos, c'est pas intéressant. Ok. Donc c'est un peu plus haut, je crois, cette fois-ci. Ok, c'est là-haut. Je suis pas certain, mais je crois qu'on est dans la bonne direction. Ouais, c'est ça. Après, il faudra que je me place quelque part. Histoire de rattraper un peu la zone. Je suis pas sûr que c'est, ça doit être condamné si... Merde. La pauvre, elle s'est fait découper en un instant. Là, il y a une autre moto. Il n'y a pas de passage ici. Oh non. Ils exagèrent. Donc je me suis mis dans le cul-de-sac. Faut que je fasse demi-tour. Faut que je retourne sur l'avenue principale. L'avenue principale, elle est justement ici. Ouais, un peu plus bas. Bon, ils veulent que je... En fait, ils veulent que je fasse des grands détours. Mais c'est pas trop grave, comme ça. Oh les flics, oh les flics, oh les poulets. Désolé. Cette fois-ci c'est bon. Non, c'est pas encore là, c'est juste après. Putain, ma moto récupère là. Elle est en train de me découper encore des zombies. La pauvre. Maintenant, je suis dans la bonne direction, ouais. Mais normalement, je vais te bloquer dans quelques instants aussi. J'espère juste que j'ai pas ce purée de barrage là, au fond. Même si je sais que oui. Ah, tu vois, il y a un barrage quelque part après. Ah non, ça va en fait. On repasse par là, par là. Ah, ça va en fait, j'ai réussi à me dégager de ça. Nous, on doit aller où maintenant? En face. Et en face, il y a un problème, Houston. Ils ont tout barricadé. Mais c'est pas grave, on connaît maintenant tous les chemins. Oh là, ils ont tout éclaté au niveau du béton. On va se retrouver ici. C'est n'importe quoi. Je vous dis, tuer des zombies, moi ça m'a manqué un peu. Désolé. Mais des fois, ça rend dingue. Allez, récupère la moto encore, toi. Et les motos, elles sont... Elle dure très longtemps comme ça, ça fait plaisir hein, de pouvoir vraiment ne pas avoir ce problème là de à chaque fois la refaire, etc. Parce que d'habitude, en quelques instants, elle meurt en fait au niveau de l'usure, etc. Plutôt, elle meurt. Ouais. Les pièces s'épuisent et elle explose. Pour le moment, ça va, elle tient bien. Ça y est, on est arrivé. Attention à quelque chose qui s'est passé, ils ont brûlé mes motos. Oh non. Hé, hey, Torque! T'es là? Torque! Tu vois, ils l'ont tué. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Spider qui m'a fait ça. Il n'y a plus que toi, Hunter. Tu te sens à la hauteur, mauviette. Spider va me le payer. J'ai un cadeau d'adieu pour toi. Au Chavis Garage d'Eagleton. C'est ma joie et ma fierté. Elle est toute à toi. Je verrai personnellement à ce que tu entends Spider supplier jusqu'en enfer. Jusqu'à ce qu'il te rejoigne. Waouh, on est prêt pour la guerre les amis dans le prochain épisode. Est à Eagleton.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.